aller jusqu'au boutiste. C'est le seul moyen d'être crédible. Alors nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est bien ce qu'on a essayé de faire. L'alchimie, c'est un choix. L'alchimie. Après, on rentre dans la dimension arthurienne, dans tous les mythes, et ça vient progressivement. C'est un déclencheur. Pourquoi ? On en a mis partout. Donc, il faut que les gens aient un électrochoc, soient interpellés. Et c'est le pourquoi, s'il n'y a pas de nom, mais qu'est-ce que c'est que cette place ? Et à partir de ce moment-là, ils vont faire la démarche. D'accord. Voilà un peu comment on a procédé. Alors, alors une étiquette. Alors ce qu'on fait souvent quand on décide une chose, un parti pris, on décide par exemple de faire un jardin qui soit intuitif. On va supprimer toute dimension intellectuelle, sauf que pour que ça marche, on va amener un contrepoids. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une discussion sur ce qui se passe, on va dire, dans un Rotary quelconque, où tout est nickel, un vocable qui est vraiment nickel, et de temps en temps, on va mettre une plaisanterie, voire quelque chose de décalé, pour éviter la monotonie, et puis surtout mettre en valeur le reste. Donc là, on met une étiquette. Donc ça interpelle aussi, c'est le contrepoint. Dans toute composition, on fait un contrepoint. Donc c'est le vitex qui est lié au jardin monastique. Alors qui dit moine pense à chasteté, rigueur, enfin tous ces trucs. Et celui-ci est lié à la chasteté. Donc les feuilles, alors il ne les mangeait pas, il touchait dessus. Parce que c'est une verbenacée. Donc la même façon, c'est un calmant. Donc il faisait des literies à base de feuilles. Et c'était censé calmer les ardeurs sexuelles de ces messieurs. Donc pareil, un parti pris, ce vitex. Et là avant on avait le jardin du Moyen-Âge avec des petits carrés. Donc tout au début on avait fait des plessis, donc on avait pris du noisetier tressé. Et les carrés on les avait pas fait à 50, on les avait fait à 40, on va dire une cuvée, pour qu'un moine, pour les gens qui étaient petits à l'époque, en s'asseyant, puissent atteindre le centre quand ils faisaient leur cueillette. Donc ce genre de jardin, on le fait avec nos propres corps, on se met sur quelque chose et en fait on le fait à notre image. Ça c'est important. À notre image, à condition de se mettre dans la peau d'une personne du Moyen-Âge.